Ah, tout un petit peu. Salut, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, soyez tous les bienvenus. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no FCM francês com Mademoiselle. Je suis tout un petit peu en retard. Attends, on est un pouquinho atrasada. Je suis un petit peu en retard. Pegue seu fone de ouvido, porque hoje vocês vão ouvir em francês. É tudo em francês. C'est en français. C'est une conversation avec des étudiants. À propos des habitudes alimentaires, les habitudes alimentaires, hábitos alimentares, olha que legal. Pessoal que tá no Instagram pode vir aqui para o YouTube, viu? O pessoal tá chegando, ó, minha primeira vez aqui e tal. Chega no YouTube, que a tela é maior, tá? Eu deixo aqui o recadinho, mas a gente tá no YouTube que é melhor. Vai para o YouTube, Francisco Mademoiselle, tá bom? Deixa eu dar um recadinho para vocês rápido aqui. Eu estou com alunas FCM, na verdade, eu tô com uma aluna FCM e a gente vai fazer um momento assim de falar em francês, tá bom? E eu sempre faço isso com os alunos, eu coloco eles como protagonistas da história deles, porque não adianta você só estudar francês no papel e não assim, não aplicar esse francês oralmente, tá? Bom, então, antes de começar, eu vou aqui com vocês. Opa, deixa eu só tirar aqui rapidinho, deixa eu só dar esse recadinho para vocês rapidinho aqui. Vamos lá, ó. Estou com as matrículas do meu curso. Eu tenho dois cursos, tá? Estou com as matrículas abertas do meu curso de francês FCM Interaction, que vai do A1 ao B1. Eu estou com as matrículas abertas desde ontem. Estamos no segundo dia aí de matrícula para o meu curso, que tem tudo isso. Não é só o curso na plataforma. O meu curso, ele é completo e tem tudo isso que vocês estão vendo aqui, o material com mais de 1.000 páginas de conteúdo interativo com áudios, links, mentorias quinzenais no Zoom. Ai, quem não gosta de um Zoom, né? Adoro um Zoom com a minha professora. Você gosta do Zoom? Fala para mamãe. Programa acompanhamento Ladybug. Essa é um novo projeto aí que a gente está lançando. Super legal aí. O preparatório para o Delphi, o francês para viagens, laboratório de conversação, clubinhos de conversação, clubes de leitura, comunidade fechada no Facebook, que é um ambiente seguro aí para você trocar informações, um grupo exclusivo no WhatsApp para a sua turma, isso é bem legal, e o workshop comportamental com o doutor Vitor Aguiar, que nos ajuda aí nesse processo. Então, esse aqui é o pacotão FCM Interaction, meu curso completo, tá bom? Tá? Os valores, as condições, gente. Fale com a minha equipe. Tem um link aqui embaixo. Você clica no link e vai lá embaixo. Tem um WhatsApp. Fale com eles, porque tem coisa acontecendo ali, tá bom? Fala com eles. Ai, Jana, ai, isso aqui tá muito caro. Ai, dá para dividir? Não, não, não. Fala com eles, que eles estão liberando umas coisas bem legais. Por favor, converse com eles por WhatsApp, tá? E eu também estou com as matrículas para o meu francês funcional, que é para quem já tem experiência com a língua. Então, para os intermediários, a gente está com as matrículas abertas somente para o francês funcional também. Tá tudo aqui no link, aqui abaixo, nas descrições desse vídeo aqui do Facebook ou do YouTube, tá? Esse curso de para intermediários, na verdade, é um treinamento com 21 aulas, 6 treinos, 21 treinos, na verdade, com 6 séries cada um. São quase 500 páginas assim de conteúdo, tá? Tem um material de apoio, mais de 80 áudios com vozes para treinar fonética, vídeos e áudios de nativos mesmo, tá bom? Tem a mentoria mensal comigo durante um ano no Zoom. Tem um grupo de WhatsApp para formar clubinhos de conversação e para os alunos, né, que são intermediários, para vocês se conectarem. 2 anos de acesso à plataforma e o acesso pelo aplicativo Hotmart também, tá bom? Então, opa, tá dado o recado aqui para vocês sobre as matrículas que estão abertas. A Erika Ribeiro, minha primeira vez, eu vim aqui pro YouTube. Obrigada pela dica no Insta. Ai, que linda! Olha, gente, ela é nova. Gente nova na área. Vamos fazer bonito, hein? Ah, brincadeira. Vamos fazer normal. Vamos fazer o que a gente está acostumado a fazer sempre. Bom, aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai invité des étudiantes à venir, mais on a eu un petit problème avec l'une des deux. A gente teve um probleminha com uma das duas e eu estou com a Giulia aqui. Bonjour, Giulia, ça va? Bonjour, ça va?
Ele ia ver aussi Dona Marisa, uma aluna nossa aqui do FCM também, mas ela não, ela teve algum problema técnico, ela não conseguiu entrar aqui na sala conosco. C'est dommage, elle n'a pas réussi. Ela entrou, mas aí ela saiu, eu não sei o que aconteceu. Eu até vou mandar aqui uma mensagem para ela, gente. Você sabe que a gente está fazendo ao vivo, né? E o que nós estamos fazendo é um encontro, eu trago alunos, tá? A Júlia é uma aluna do FCM, eu trago as alunas aqui, alunos, enfim, pour une classe, une leçon de conversation, para uma aula de conversação. Elas são alunas. Vai errar, e a gente vai conversar, e aí ela vai falar uma coisa que talvez eu não entenda, vou pedir para ela. É uma aula. E on va essayer de parler en français tout le temps, d'accord? Deixa eu ver, a dona Marisa me mandou algum recadinho aqui da conta do Face, tá bloqueada. Peraí, deixa eu mandar um recadinho aqui, gente. Peraí, que tá ao vivo, a aluna, dona Marisa, não tá conseguindo entrar ao vivo aqui com a gente. Peraí, deixa eu mandar um recadinho aqui para ela. Pronto, vamos ver se ela consegue entrar aqui. Très bien. Olha, tem gente nova aqui, eu sou nova, nunca me interessei pelo francês, mas acho que esse ano tenho planos para ir para a Bélgica. Então me vi na necessidade de começar a aprender a língua e comecei a amar o francês. Ai, não é, Letícia. Nossa, já caiu no lugar certo, então, aqui com a Jana, né, gata? Já tá no lugar. A pessoa às vezes tem sorte, tem gente que tem sorte. Tem gente que entra já direto aqui na Jana. Tem gente que fica catando cavaco aqui na Jana. Vamos lá, a dona Marisa vai entrar daqui a pouquinho. On va essayer, on va tourner la clé. Vamos virar a chavinha, Júlia? On va tourner la clé. E on va parler en français. Je vais inviter les gens qui nous entendent, donc les auditeurs, aujourd'hui, vous êtes... si vous comprenez ce qu'on dit ici, vous pouvez donc faire de petits résumés, de petits textes en portugais. Então, o pessoal que é mais intermediário, ou que é iniciante, mas que está entendendo o que nós vamos falar em francês, porque a gente vai virar a chavinha, vamos falar só em francês, que é nosso treino hoje, é o treino ao vivo, é a Jana com a Luna hoje aqui ao vivo, en français. E tem um tema, que é les habitudes alimentaires, hábitos alimentares. Aí vocês, para ajudar as pessoas que são mais iniciantes, vocês que vão ouvindo em francês, o que vocês fazem? Vai fazendo um resuminho de algumas partes em português, para ajudar os colegas que entram e que são totalmente iniciantes, que estão começando agora e que podem não entender, porque a gente não vai falar em português. D'accord? On va essayer de garder, de tenir le français du début à la fin de notre, bah voilà, en fait, de ce moment qui c'est la conversation en français. Bon, alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter, Julia, avant de partir à notre sujet de la conversation d'aujourd'hui? Tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 20 ans, j'habite à Santa Maria, dans l'état de Rio Grande do Sul, au Brésil. Je suis étudiante, je n'ai pas d'enfant et j'étudie le français depuis 7 mois. J'ai connu l'FCM à partir de la chaîne YouTube de Jana. Et comme on est dans la pandémie, j'ai décidé d'essayer un cours en ligne. Et j'adorais, je pense que j'ai réussi parce que je ne savais rien avant de commencer le cours. C'est ça. Écoute, alors, depuis combien de temps cette étudiante, elle étudie le français? Est-ce que vous avez compris? Donc, vous pouvez noter si vous comprenez ce qu'elle a dit. Donc, vous pouvez noter depuis combien de temps elle étudie le français. Alors. Je vais vous laisser écrire, d'accord? Je vais vous laisser écrire. Dona Marisa, elle est là. Je ne sais pas si ça va marcher. Dona Marisa, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Tá me ouvindo, Dona Marisa? Acho que deu algum probleminha aqui de... Talvez seja, não sei se é conexão. O que será que pode ser, né, Júlia? C'est quoi ça? On ne sait jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ah lá, ela saiu. Ela tá tentando entrar. Ela entrou, mas não dá. Isso é coisa de conexão. C'est peut-être la connexion, on ne sait pas. C'est dommage, parce que je voulais mes 12 étudiants ici. Mais bon, Julia, c'est toi. Hein. Toi, tu vas être l'étoile, tu vas être l'istar de ce matin. C'est pas grave. On y va. D'accord. Bon, alors, Julia, je vais me mettre ici, comme ça, on peut... aujourd'hui, notre sujet de conversation, c'est les habitudes alimentaires. Habitudes alimentaires ou les habitudes alimentaires. T'es en liaison, hein? Julia, je vais te poser quelques questions. Tu peux réfléchir avant de répondre. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, une réponse qui est prête, on ne sait pas, mais voilà, les habitudes alimentaires. Ma première question à toi, c'est, es-tu végétarienne? Es-tu végétarienne? Non, je ne suis pas végétarienne, mais j'admire les gens végétariens, mais je ne suis pas. Non, je ne pourrais me passer du riz, des haricots et un steak. Steak. Tu peux pas t'en passer. Oui, non. Tu peux pas t'en passer sans steak. Oui. Moi non plus. Hein. Avec des oignons. Oui, c'est avec des oignons, donc un steak. Tu n'es pas végétarienne. Donc là, c'était ma première question. Je ne sais pas pourquoi je t'ai posé cette question. Et, d'accord, donc, et ton plat préféré, c'est quoi en fait? J'aime vraiment un grand plat de pâtes avec sauce tomate et beaucoup de fromage tacheté sur les dessus. Et c'est mon plat préféré. Et donc, je pense que ce n'est pas une chose exclusive de moi, parce que je pense que tout le monde aime des pâtes. Les pâtes. C'est vrai. Moi aussi, j'adore. Mais je pense qu'il y a aussi l'influence sur la famille qui a du sang italien, je crois, peut-être. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, oui. Julia. Bah, d'accord, tu aimes les pâtes, mais tu m'as dit que tu ne peux pas. Olha que frase legal, gente, para vocês, pessoal que tá ouvindo aqui e aprendendo francês. Aí ela falou uma coisa bem legal. Ai, Julia, tá me deixando orgulhosa aqui no rolê. Tu as dit que tu ne peux pas t'en passer du riz et des haricots. Est-ce que vous avez compris? Vocês entenderam? Olha que legal que ela falou. Ela dit que elle ne peut pas sans passer du riz et des haricots avec des oignons. Elle a dit ça. Hein? Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez noter si vous voulez bien. Moi non plus. Ah, et agora eu vou falar com ela aqui, ó. Moi non plus, Julia. Je ne peux pas m'en passer du riz, des haricots, un steak. Ben, c'est la classe, hein? La classe, du riz, des haricots, un steak et avec des oignons comme ça, dessus. Ah, c'est merveilleux. Alors, regarde ça, comme c'est intéressant. Vanessa, na minha cabeça, ela ama pato. Demorei para processar que é massa. Ah, voilà les pâtes. Voilà, c'est ça. Julia, alors maintenant, si tu es là avec moi, c'est une classe, c'est une leçon. Julia, est-ce que tu sais comment dit-on pato en français? Tu te souviens? Je ne sais pas. Canard, d'accord? Si vous voulez bien, qui veut écrire canard, escrevam canard aí no chat para todo mundo saber. Canard igual pato, escreve aí. Voilà. Bon, faites, puis après, d'accord, donc tu aimes les pâtes. Aí, très bien, Vanessa. Merci. Assim que eu gosto, todo mundo participando. Très bien, pâte, canard. E Vanessa diz, ah, dans ma tête, ela diz pâte, voilà, mais elle adore les pâtes parce qu'elle a du sang italien. D'accord. Une autre question, Julia, c'est quand on parle des habitudes alimentaires, là, vous savez bien,
toi, Julia, et tout le monde qui est là avec nous, on parle aussi de la culture. Donc, ça dépend de la culture où tu habites. Donc, en français, il ne va jamais dire qu'il mange du riz et des haricots. Tipo assim, um cara não vai falar, ah, eu como arroz e feijão. Não, voilà, c'est pas l'habitude, c'est pas culturel, ça. Ça, c'est quelque chose qui est, je sais pas, c'est très brésilien, peut-être. Quels sont, toi, tu habites à Rio Grande do Sul, quelle ville, pardon? Santa Maria. Santa Maria. Alors, il y a aussi une certaine culture à Rio Grande do Sul, on le sait bien et tout. Mais, peux-tu décrire tes habitudes alimentaires? Donc, comment est-ce que vous faites chez vous? Comment est-ce que tu fais chez toi? Le matin, l'après-midi, le soir, à peu près, d'accord? Donc, je ne sais pas. D'accord. Quand je me réveille vers 7h30, je prends mon petit-déjeuner. C'est comme un morceau de pain avec du beurre et une tasse de café ou de thé. Quand il fait froid, je bois du thé et je déjeune avec ma famille vers midi et demi. Et les menus varient beaucoup, mais généralement, c'est comme des haricots, du riz, un petit de viande, un complément comme des patates, de pommes de terre, et... quelques légumes, du jus pressé minute. J'aime jus pressé minute. Et jus pressé minute. Você assistiu aquelas aulas? Você assistiu também? Oui. Ça y est, on a semi. Et du jus pressé minute, c'est toi-même qui le fais? Les jus d'orange, par exemple? Très souvent. Mais ma mère m'aide aussi. Oui, oui. Donc, ta base au déjeuner, c'est généralement du riz et des haricots. C'est ça, oui, la base. C'est ça. Et le dîner, est-ce que tu as déjà dit pour le dîner? Non, l'après-midi, mon but est de manger un fruit, mais je ne le fais pas toujours. Et parfois, je me rends un sandwich et je dîne vers 8 heures. Et c'est comme une collation et pas trop de nourriture lourde, et comme du pain et très souvent les pizzas au week-end. Ah bah oui, quand même, t'es jeune, tu le peux. Oui. Ouais, d'accord, pizza, dîner, parfois, bon voilà, donc, oui, le week-end. La base au déjeuner, c'est comme la plupart des Brésiliennes, la plupart de chez nous, et du riz, des haricots, un légume, du jus pressé minute. Ah là, personne n'a pas connu si c'est jus pressé minute et du jus. On peut dire du jus d'orange aussi, par exemple. D'accord, mais du pastel. Du pastel? A Vanessa não presta. Essa Vanessa aqui, ela não vale um tostão furado, né? Creio Deus Pai. Bon, comme une bonne et belle gaúcha, les week-ends, est-ce que vous consommez, vous mangez, vous faites souvent des barbecues? Ça, c'est vrai ou pas vrai chez toi? Où on habite, il n'y a pas de, je ne sais pas comment dire, mais les lieux ont... La barbecue. Oui, la barbecue. Et à Churrasque. Et il n'y a pas, oui, il n'y a pas ici. Dans on habite l'appartement, mais hors la pandémie, mais quand on peut, on va à la maison de ma tante à la maison de ma tante qu'il y a le barbecue. Et mon père fait de barbecue très souvent hors de la pandémie. Et oui, malheureusement, maintenant, ce n'est pas possible, évidemment. Donc, ce n'est pas possible de rassembler la famille comme on l'avait l'habitude avant. Mais hors pandémie, on le faisait, mais pas chez toi. Donc, vous allez, toi et ta... Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai oublié de demander, Julia. Qu'est-ce que Est-ce que tu as des frères et sœurs? Frères.
Frère. Oui, j'ai une sœur. Une sœur seulement. Ah, d'accord. Donc, vous êtes deux enfants. C'est toi et ta sœur. Oui. Et elle s'appelle comment? Raïsa. Ah, Raïsa et Julia. Et Raïsa, elle est plus âgée ou elle est... Oui, elle est plus âgée et elle a son propre maison. Ah, d'accord. Avec son, mon beau-frère. D'accord. Donc, tu habites aujourd'hui, tu habites avec, on va dire, tu es la fille unique des papas et maman. On va dire, tu habites avec ton papa et ta maman aujourd'hui. C'est correct? Oui, c'est ça, c'est ça. Super, très bien. Alors, donc, on continue à parler des habitudes alimentaires. Une question, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ta mère. Bon, on ne sait pas. Je voudrais savoir où vous achetez vos aliments chez vous. Donc, où ta mère ou toi, où vous achetez les aliments? Où vous faites les courses? Au marché? Au supermarché? Comment est-ce que vous organisez là chez vous pour faire les courses? On achète des aliments au supermarché, mais très, très souvent, presque tout le samedi, ma mère va au marché qu'il y a près de notre maison. Et là, elle achète des œufs, des légumes, des fruits, des haricots aussi. Et les produits plus faits maison, comme du pain et de biscuits aussi. Et on achète ces aliments naturels au supermarché seulement quand il n'y a pas le marché. Mais pendant la pandémie, ce n'est pas toujours qu'il y a de marché. Donc, c'est ça, nous achetons au supermarché. Plus souvent au supermarché. Et donc, ça veut dire qu'il y a un marché près de chez toi. Il y a un marché. Oui. D'accord. Alors, donc, qui est là? Qui nous entend? Vous pouvez nous écrire sur le chat la différence. Attention. Donc, vous participez aussi. Vous, les auditeurs, vous participez aussi. Quelle est la différence entre marché et supermarché? Vous pouvez écrire si vous voulez bien. D'accord? Donc, Sonia Favareto, Regina, les gens qui... Pessoal que entrou agora no funcional, hoje, escreve aí, d'accord? Donc, quelle est la différence entre marché et supermarché? Bon, d'accord, j'ai compris. Le fait. Opa, tô aqui? Ah, meu Deus. Je suis là. Tô aqui. Eu não sei o que eu fiz. C'est toi-même qui fait les courses, qui va au supermarché ou c'est ta mère qui le fait? C'est tout le monde ici. Quelqu'un voit qu'il y a quelque chose à acheter, nous pouvons sur la liste, nous écrivons sur la liste. Vous écrivez, nous écrivons. On écrit. Usuon na vida. Aqui, gente, é uma aula, tá? A gente tá fazendo uma aula de conversação. Usuon, boba. On écrit sur une liste, d'accord? Donc, quand vous observez, vous rendez compte qu'il manque quelque chose, toi ou ta mère ou ton père, vous notez sur une liste. Oui, vous faites un tour de rôle. Vocês, tipo, revezam. Vous faites un tour de rôle pour aller au supermarché. Oui, très souvent, mon père va au supermarché, mais il n'aime pas quand je vais avec lui parce que j'essaie de rester sur la liste. Mais mon père aime d'acheter des différentes choses. Et donc... Comme un petit enfant, en fait. Non. Oui, il y a toujours plus de choses que sur la liste.
Mais c'est bon parce qu'il achète des choses différentes. Et c'est bon. Il a quel âge, ton père? Il est 70, 62. Il a oui, 62 il ans. a 62. 62, certo? Il a 62 Oui, ans. c'est ça. 62 ans, pardon. 62. Ah, d'accord. Et donc, quand c'est ton père qui va au supermarché, même avec la liste, il a tendance à s'égarer de la liste. Oui, mais c'est bon parce qu'il achète de différents types de cafés. C'est bon. Ah, voilà, on va déguster la famille. Voilà, donc je suis allée au supermarché, je suis rentrée. Le café, ce n'est pas. Le café, il n'est pas jamais sur la liste, mais toutes les fois que quelqu'un va au supermarché, on achète des cafés. Ah, d'accord. Le café n'est pas sur la liste, mais on l'achète quand même. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas besoin d'écrire café sur la liste. Non. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose d'automatique. On va au supermarché, on va apporter, on va acheter du café. C'est normal. Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Bon, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que généralement, ce sont les enfants. Toi, par exemple, qui va sortir de la liste, qui va s'égarer, qui va s'affaster, tá, gente? Égarer, affaster, qui va faire un détour de la liste. Donc, il y a une liste. Et chez toi, c'est ton père qui fait un détour de la liste. Il commence, donc, il achète des choses différentes. Eu aposto que a sua mãe fica dentro da lista. Je parie. Olha que legal esse verbo, gente. É o verbo parier. Tá? Parier com R só. Parier com ER no final. Aí eu vou falar assim pra ela. Eu aposto que a sua mãe fica na lista. Julia, je parie que ta mère, elle est toujours sur la liste. Très souvent, mais ce n'est pas toujours. Ah, d'accord, c'est pas, pas forcément, então. Ah, oui, pas forcément. Olha que outra coisa bacana para vocês aprenderem, gente. Quando você quer falar assim, não necessariamente. Ai, não necessariamente, Jana. Minha mãe, de vez em quando, dá uma coisa na lista, dá um turno na lista. Onde... Pas forcément, tá bom? Anota isso. Pas forcément. Pas forcément, bah, Jana, bah, pas forcément. Ah, d'accord. Julia, et chez toi, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais chez toi, c'est toi-même qui prépare les aliments, c'est toi-même qui prépare ta nourriture, ce que tu vas manger, par exemple, c'est toi qui fais la cuisine. Et ça dépend, parce que chaque jour, on va nous relayer pour voir qui va cuisiner. Je cuisine plus souvent le week-end. J'ai fait des pâtes, du risotto, du stroganoff. Et très, très souvent, le samedi, j'ai fait un plat typique ici, dans le sud, qui s'appelle carretero. Et c'est comme un risotto, c'est très simple. C'est comme un risotto, mais au lieu de poulet, et c'est de la viande rouge. C'est simple de préparer. Donc, j'aime et tout le monde ici adore. Carretero, oui. C'est pas possible de traduire parce que c'est la gastronomie régionale. Gente, na coisa de gastronomia regional, uma coisa super difícil de traduzir. Quando você vai apresentar um prato, alguma coisa da sua região para um francófono, é importante você falar o nome certo. Por exemplo, feijoada, tá? Alors, donc, c'est un peu compliqué de traduire ça. Donc, il faut dire feijoada et expliquer que c'est une sorte de marinade, que c'est une sorte de... Eu esqueci como é que a gente fala em francês. Voilà, donc, il faut expliquer ce qu'il y a là-dedans. Donc, o carreteiro, c'est très célèbre au sud aussi, d'accord? Oui. A Sônia tá... É o arroz carreteiro, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est une sorte de riz avec... C'est ça. Bon, et... E alors, donc, vous relayez. Gente, relayez, ela usou. Olha que lindo que você usou. Parabéns, Julia. É assim. Essas alunas me deixam tão orgulhosa. Relayer, ça veut dire que aujourd'hui c'est toi, demain c'est ta mère, après demain c'est ton père. Donc, ils vont se relayer entre eux. Eles vão se relayer, tá, gente? Quem quiser escrever o relayer aí. Se revezar, tá? Julia.
Tu es, bon, tu es jeune, tu es mince. Dá vontade de dar na cara dela, é jovem, magra. Je plaisante. Est-ce que tu as l'habitude de boire des boissons allégées, des boissons allégées? Tu sais, diet, light, des boissons allégées, est-ce que tu as cette habitude? Non, je ne bois pas de soda du tout. Ah bon? Ah non, et tout. Je n'aime même pas, je déteste vraiment, vraiment Coca Zero. Je pense qu'il y a un goût très mauvais à la bouche, je n'aime pas du tout. Et je pense que je peux dépenser les calories d'un autre aliment au lieu de ceux qui nuisent à la santé. C'est vrai, c'est nuisible. On sait bien. Je peux manger du chocolat au lieu de pas du soda, je pense. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Tu bois pas de soda du tout. Non, du tout. Il y a depuis 5 ans, presque. Wow! Parce que ça, c'est accro. On finit par tomber accro de soda. Moi, je suis un peu. E Coca Zero, par exemplo, gente, só para vocês saberem, a gente falou de boisson, tá? Eu vou falar devagar, ó. Boissons allégées, d'accord? Donc, boisson com S, escreva aí. Boisson... com S, allégé. Boissons allégées, ça veut dire toutes sortes de bebidas diet, que é o allégé de leve, tá? Então, bebida diet. E vocês compreenderam? Vocês entenderam? Ela toma ou não toma? Est-ce qu'elle prend, elle prend pas, elle boit ou elle boit pas de soda? Ela bebe soda? Que é soda? Também é importante que ela falou. Soda é... refrigerante, tá? Então, vai colocando o vocabulário aí, principalmente quem tá começando. Et c'est vrai ce que tu as dit, que quand on boit du soda allégé, par exemple, Coca Zero, moi j'aime bien quand elle est au frigo, comme ça, qu'elle est très gelée, j'adore. Mais c'est vrai qu'après, il y a un goût nuisible. Oui. Dans la bouche. C'est terrible. C'est un goût de sirop, un goût de... C'est terrible. C'est vrai. Le lendemain, surtout le lendemain, no outro dia, você fala assim, parece que você bebeu uma bebida alcoólica, mas voilà, le lendemain, c'est terrible. Tu brosses les dents, mais il continue. C'est terrible. Parce que c'est quelque chose qui ça vient de l'estomac, quoi. C'est pas de la bouche. Donc, oui. Tu peux te brosser les dents, mais il est là. Et c'est ça. Je crois que c'est le. C'est l'adoçant, né? C'est le. Et du courant, ce sont les éléments, les ingrédients qui sont là dans ce type de boissons, des boissons allégées. C'est vrai. Ouais. Julia, est-ce que tu manges des produits bio? Parfois. Ah. Parfois, non, ce n'est pas souvent. Ah. Mais comme j'ai dit, ma mère va au marché qu'il y a près de notre maison. Donc, je mange, mais j'essaie de manger plus. J'apprends. Est-ce que vous avez compris? Donc, je lui ai posé la question. Vous mangez des produits bio. D'accord? Donc, bio. Escrevam aí, pessoal que está assistindo. Bio. Un produit bio en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire orgânico. Tá? Então, a gente não fala em francês une nourriture ou un plat organique. En Canada, organique. On ne dit pas ça. D'accord? On dit bio. B-I-O. D'accord? Organico. Donc, des produits bio, le marché bio. Et c'est bien, c'est important de vous faire savoir à tous. Donc, Julia, elle le sait déjà parce qu'elle est étudiante FCM et on en parle dans notre cours. Mais que vous saviez que les produits bio en Europe, généralement, ils sont moins chers qu'au Brésil, d'accord? Donc, on ne va pas faire la conversion, évidemment, de la monnaie. C'est pas ça, c'est pas le cas, mais on a plus d'accès en Europe à des produits bio
moins cher. Au Brésil, malheureusement, ces produits bio, ils sont beaucoup plus chers. Donc, c'est dommage, en fait. Hein? Et Julia a dit qu'il n'est pas très souvent, mais de temps en temps, ils vont au marché et ils se font acheter ces produits. Est-ce que tu es d'accord, Julia, qu'en France, en fait, en Europe, ces produits sont moins chers qu'au Brésil parce qu'au Brésil, ils sont un peu chers. Et je pense que c'est vrai. Je ne suis jamais allée en France, mais je pense que où on habite, il y a un avantage parce que c'est l'intérieur, c'est près de petites villes de l'intérieur, des producteurs ruraux. Donc, je pense que ils ne sont pas chers ici. N'est pas si élevé, le coût n'est pas si élevé qui dans une grande ville qui a besoin d'acheter des aliments et transporter sur des grandes distances. Je pense que il y a un côté bon d'habiter à l'intérieur. Exactement, ouais, tout à fait. On pourrait dire d'habiter en Provence. L'intérieur, né? Oui. Habiter en Provence, oui, ce sont des avantages, quoi. Parce que comme ça, on peut habiter peut-être à côté, tout à côté, tout juste à côté d'un producteur rural. Et là, on peut acheter des produits bio moins chers, c'est vrai. Et pourquoi sont-ils chers au Brésil? Parce qu'ils sont produits ici, par exemple à Santa Maria, et qu'ils vont venir à São Paulo. Donc, il y a tout le transport, les intermédiaires et tout, et tout, et tout. Et voilà, c'est ça. Ouais. Quoi d'autre est-ce que je peux te demander? Bon, tu n'es jamais allé en France, tu as dit, mais est-ce que tu as déjà goûté? Tu as déjà goûté des plats? Parce qu'il y en a plein, en fait. Tu as déjà goûté des plats de la gastronomie française? Oui, j'ai déjà goûté les croissants et de macarons. Et je pense que ce n'est pas la même chose qu'il y a là-bas, en France. Et j'essaie de goûter des différents types de nourriture, mais je ne pense pas que j'aurai le courage de goûter des escargots. Ce n'est pas pour moi, je pense, peut-être, mais je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas pour moi. Et des fruits des mers, est-ce que tu aimes les fruits des mers? Non, Et c'est ça, parce qu'il y a plein de choses de la gastronomie française qui sont aussi faites avec les fruits des mers, comme par exemple les moules et tout. Voilà, et c'est ça. Donc, c'est pas trop ton goût. Hein, non. Ça te parle pas. Olha que legal também para vocês, pessoal que tá acompanhando aí. Aí ela falou, não gosto muito. Eu perguntei para ela se ela gosta de frutos do mar, né? Et tu aimes les fruits de mer? Et tu, ela dit, mas pas trop. C'est pas trop moi. Aí eu completei, falei assim, isso não te fala muito. Como assim, não combina muito com você, você não gosta muito. E aí eu usei o verbo parler. Olha só que legal. Ça te parle pas trop. Não. Não te fala muito sobre isso. Voilà, c'est pas le patron. Ah, Rosina dit, escargots sont super. Ah, je crois que c'est une question de goût, c'est une question d'essayer, vraiment, de goûter. Il faut en goûter. Tem que experimentar mesmo, né? Il faut vraiment en goûter pour avoir... voilà, donc pour avoir une opinion, quoi. Donc, c'est ça. Et Julia, pour terminer, qu'est-ce que c'est pour toi un bon repas? Gente, quem está assistindo aqui, escreva aqui no chat. O que, que é repas? A minha pergunta para ela foi essa e ela vai responder. Julia, qu'est-ce que c'est pour toi un bon repas? Je pense que é plus important que seulement les plats qu'on va manger. C'est aussi l'ambiance quand on va manger. Et des compagnies aussi. Alors, j'aime quand on peut manger avec la famille ou des amis aussi. Et on peut échanger des idées, on peut discuter et écouter un bon musique aussi pendant le repas. Oui, c'est ça. Donc, comme ça. Oui,
plus que la nourriture qu'on va ingérer, c'est vraiment la compagnie. Pour toi, c'est ça. Donc, un bon repas, c'est aussi la compagnie. Alors, tu as une pensée qui est un peu européenne, peut-être plutôt française, qui c'est, je ne sais pas si vous saviez, mais les Français, ils apprécient énormément les repas en famille. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Les Français apprécient énormément les repas, tous les repas. Un, deux, trois. Repas, comme o pessoal escreveu, é refeição. É aquele momento. Voilà. Donc, les Français, ils apprécient le repas en famille énormément. D'accord? Et Julia, elle a un petit peu de cette pensée et elle ressent comme ça. C'est super, très bien. Alors, Julia, passou na prova, Julia. Passou, ela veio, fez a prova de conversação, passou. Vocês acham que, quanto é que ela tirou, gente? Quanto é que ela tirou? Essa minha aluna veio aqui fazer, isso aqui que ela tá fazendo, isso aqui é uma aluna minha, do meu curso fechado, do FCM Interaction, que a gente tá com as matrículas abertas. Ela faz 7 meses que ela é minha aluna, e ela tá aqui, ó. Entrou, começou a me seguir, me namorar lá nas redes sociais, veio aqui, né, Julia, não foi isso? C'est vrai. Aí eu até brinquei com ela esses dias, até coloquei um negócio que ela falou para mim numa mentoria. Falei, ok, como é que você convenceu seu pai de pagar o curso para você? Ela falou, não, Jana, ele não pagou, ele foi metade ele, metade eu tô dando meu jeito aqui. Isso, não foi? Voilà. E aí ela convenceu, não, vamos junto e tá aqui, participa de tudo, engajadíssima. Ela é aquele 5% que eu tava falando ontem para vocês, entendeu? Ela faz parte desse 5%, d'accord? Ah lá, todo mundo tá falando para você, Julia. Então a galera falou que você passou na prova. A galera disse que você passou na prova. Olha, tem gente falando que tá orgulho dessa menina aqui, ó. Não, c'est mon père. Ai, o pai dela, Isidoro, gente, que fofo. Alors, c'est le père de Julia. Écoute. Moi aussi, je suis très fière de toi, ma chérie. Eu sou muito orgulhosa de ter você como aluna, de ser a sua professora, tá? Você é aquele 5% que vai, que pega, que faz tudo o que tem que fazer e por isso tá aqui hoje, tirando nota 50 mil. Olha lá, a galera tá falando aqui, tirando nota. Passou no teste, meu amor. Você é maravilhosa. E assim como você, a gente tem muitos outros colegas que vão vir aqui também, né? Não é, Julia? Julinha, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un gros bisou à toi aussi, à ton père qui est là, Isidore. Beijo pra você. Adorei. A sua filha é maravilhosa. Ma mère regarde aussi. É Doneide. A Doneide aqui, ó. Doneide, ó. Sua filha, cara, tamo junto. Olha que lindo. Sua filha é uma aluna espetacular, viu, Doneide? Passou na prova, porque o que a gente fez hoje aqui foi uma provinha, né? Não é prova oficial, mas os alunos, eles são provados de tempos em tempos, e a gente faz live, pergunto coisa, me respondeu. Vai arrasar, o mundo é teu, Júlia, parabéns, félicitations, ma chérie, félicitations, je suis très fière, très fière. Surtout parce que tu as commencé vraiment du zéro avec moi. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose à être 100% fier. Merci beaucoup. E aí, pessoal, só lembrando, né, que pra gente terminar, eu tô com as matrículas abertas, assim como a Júlia, você pode ser um aluno também do meu curso fechado, a Júlia que entrou há 7 meses e que tá aqui fazendo live hoje comigo, estou com as matrículas abertas para o meu curso fechado, não entrou ainda? Fala com a minha equipe que tem coisas especiais. No final da página do link que está aqui nas descrições, esse YouTube aqui, tem um link, tem tipo um WhatsApp, fala com eles por WhatsApp, entendeu? Conversa com eles por WhatsApp para ver o que eles conseguem fazer para vocês, porque a gente sabe que a situação não tá fácil, meu, como é que divide, vê, eles têm algumas coisas legais para passar para vocês. Eu tenho 2 cursos, o curso FCM Interaction Dual 1 ao B1, e depois eu tenho também o francês funcional para quem já está aí estudando francês, já é intermediário, que às vezes pode ser que você não seja iniciante, que você seja intermediário, tá bom? Vem ser um aluno FCM com a gente. Merci beaucoup, ma belle. Uma pena que a Dona Marisa, era para a Dona Marisa estar aqui com a gente, mas ela não conseguiu entrar, a Dona Marisa, que é uma outra aluna nossa, do FCM, ela entrou, mas não deu algum problema técnico e ela não pôde estar aqui. Dona Marisa, não fique triste, nós vamos conseguir fazer uma live e você vai vir comigo. Continuem
no seu curso, continue no seu engajamento, no seu comprometimento. Merci beaucoup. Merci. Bisous, bisous. Fica aqui um minutinho que a gente vai fazer, que eu quero falar um negocinho pra você, tá, Júlia? Coisa mais linda de mamãe. Fica aqui um minutinho. Au revoir, tout le monde. Merci.